Bonjour, c'est Mélina Robert Michon, vice-championne olympique du lancer du disque à Rio et ambassadrice du sport en Isère. Le confinement, pour moi, c'est plutôt pas mal passé puisque j'ai la chance d'avoir un petit extérieur. Donc j'avais récupéré du matériel pour pouvoir m'entraîner et j'étais en famille avec mon compagnon et mes deux filles. Finalement, voilà, entre l'entraînement, l'école à la maison, les journées étaient plutôt bien rythmées, bien remplies et j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Dans un premier temps, une forme de soulagement parce que je savais que voilà, c'était pas une préparation optimale pour les Jeux Olympiques. Il y a eu aussi de la frustration parce qu'on y était presque, donc c'est comme si on nous enlevait un petit peu notre cadeau de Noël juste avant Noël. Juillet-août, c'est normalement une saison qui est une période qui est très chargée, où j'enchaîne les compétitions et les stages. C'est un peu frustrant parce que il y a très peu de compétitions et c'est vrai que l'entraînement, moi, c'est pas trop mon truc. Ce qui me plaît vraiment, c'est la compétition, toute l'ambiance qu'il y a autour, le stress, tout ça. Et là, voilà, je commence à trouver le temps un petit peu long, mais heureusement, je devrais avoir des compétitions un petit peu fin août et début septembre. Et ça me permettra, voilà, d'avoir l'impression d'avoir au moins une petite récompense après toutes ces semaines d'entraînement. D'avoir dans le département de l'Isère de nombreux clubs dans plein de sports différents. Donc vraiment, je vous conseille, inscrivez-vous en club, continuez le sport et puis belle rentrée à tout le monde. C'est pas évident de choisir parce qu'on a la chance quand même dans le département de l'Isère d'avoir des beaux produits qui nous permettent de réaliser vraiment des beaux plats. Mais je vais être assez classique et je vais dire le gratin dauphinois, surtout celui de ma maman forcément qui pour moi est le meilleur. À parler du lac de Paladru parce que c'est un endroit qui me plaît. Pour l'été, c'est vraiment parfait pour passer un bon moment en famille ou entre amis.